Bonsoir. Vous écoutez toujours l'écho des Garrigues, 98,3 MHz. C'est l'émission Démons et Merveilles qui commence, et cela jusqu'à 23h, comme tous les mercredis d'ailleurs, de 22h à 23h. Ce soir, je vais vous raconter une nouvelle de Carl Jacobi. Carl Jacobi, qui est un auteur de littérature fantastique américain, né le 10 juillet 1908 à Minneapolis. Ses études à l'université de Minnesota lui apportent des connaissances en géologie et dans l'art d'écrire. Cet art, il le pratiquera toute sa vie, en collaborant à bon nombre de revues célèbres dont Weird Tales et Thrilling Mystery, deux magazines dont nous avons déjà parlé dans de précédentes émissions. Son premier récit, qui s'appelait Maeve, remonte à 1932. Il n'a pas cessé d'écrire depuis. Son amour pour le fantastique n'a donc rien d'un feu de paille, encore que depuis 1940, il se soit davantage tourné vers la science-fiction et l'heroic fantasy. Jacobi est sans doute un des derniers auteurs à écrire du fantastique canonique, même si les déploiements réalistes sont chez lui exceptionnels. Sa thématique classique est le rêve, le fantôme, le vampire, la malédiction, la réincarnation, la sorcellerie et la vengeance post-mortem. Pourtant, avec ce matériau classique, Carl Jacobi parvient à écrire du neuf grâce à des détails originaux, l'introduction d'un élément moderne dans une histoire classique, et surtout par la rapidité avec laquelle ses récits se déroulent. En cela, il s'oppose aux habituels tireurs à la ligne qui souvent sévissaient dans le magazine Weird Tales. On écoute ce soir La Montre, une nouvelle de Carl Jacobi, tirée du livre Les Écarlates, qui comprend notamment d'autres nouvelles du même auteur, aux éditions Librairie des Champs-Élysées. La Montre. C'était un étrange paradoxe. Bien que Martin Atworth fût affligé d'une terrible myopie qui l'obligeait à porter des verres très épais, il était des plus habiles à retrouver les objets égarés. Tous les indigènes du village de Farns Landing, jeunes et vieux, l'appelaient depuis longtemps pour retrouver des articles égarés par leurs propriétaires. Le Sentinelle, le journal local, avait à plus d'une reprise imprimé un article relatant le don particulier de Atworth. De tous ces comptes rendus, se détachait celui de 1933, l'année où le commissaire avait perdu une broche de diamant que lui avait confiée, en raison de sa très grande valeur, la femme d'un touriste désireuse d'accompagner son mari à la pêche. Sans poser la moindre question, Atworth s'était dirigé tout droit vers l'échalier d'un pâturage voisin, avait tâtonné quelques moments dans les herbes folles sous la barrière et avait retrouvé la broche. Quand on lui demanda pourquoi il s'était rendu dans un endroit où le commissaire lui-même avait oublié être passé, Atworth s'était contenté de sourire doucement et de répondre « J'ai un don pour ces sortes de choses, voilà tout. » Don ou pas, la vocation de Martin Atworth s'avérait fort peu lucrative, voire coûteuse, puisqu'elle lui exigeait un temps qu'il aurait dû consacrer à son travail dans le moulin qui se dressait à l'extrémité de la ville. En outre, sa femme, modèle d'épouse hargneuse, ne perdait pas une occasion de lui reprocher ce qu'elle appelait ses efforts si mal appréciés.
1949 avait été une belle année pour les activités extraordinaires de Atworth. Il avait retrouvé successivement 27 dollars en espèces. Il avait d'ailleurs pu en garder 5 qui n'avaient jamais été réclamés. Il avait aussi trouvé 2 clés de contact perdues par des touristes, un rifle 30 à double canon, l'appareil à souffler du vieux Barn et une paire de boucles d'oreilles à bout cuivré. Pourtant, il lui fallut attendre 9 ans encore avant de comprendre quel profit il pouvait tirer de ce don remarquable. En 1958, en effet, Farns Landing totalisa 4 noyades et, en dépit de la surveillance spéciale le long de la plage, en dépit des avertissements répétés à tous les pêcheurs, les années qui suivirent connurent un inquiétant accroissement de ce genre d'accident. Bien entendu, Farns Landing était avant tout une station touristique de sorte que pareille tragédie, il fallait bien s'attendre à devoir en affronter. Le problème, dans chaque cas, était de retrouver le corps. On comprenait de plus en plus que Cannon Lake, avec ses centaines de petites baies, ses innombrables îlots et ruisselets, avait tout du labyrinthe, aussi merveilleux que dangereux. Le projet d'Atworth était simple. Il allait retrouver les cadavres, de manière à jouer sur les croyances superstitieuses de la population locale. Ce fut lui, d'ailleurs, sceptique acharné depuis ses cinquantaines d'années d'existence, qui mit au point tous les détails de ses futures découvertes. D'une part, il s'assura que ses talents s'exerçaient dans toute la région du lac et non dans quelques zones privilégiées seulement. Ensuite, il répandit le bruit que son don était, en fin de compte, le résultat de l'application des sciences occultes qu'il avait étudiées des années durant. Il ne se rendait plus à son lieu de travail sans emporter avec lui un ouvrage sur les ectoplasmes ou sur les manifestations psychiques et conservait une impressionnante série d'ouvrages spécialisés, bien en évidence, dans son appartement, en dépit des protestations de net dégoût de sa tendre épouse. Le printemps revint et, avec lui, la première noyade de la saison. Pendant de très longs jours, Atworth rongea son frein alors que les autorités draguaient le lac. Puis, comme on commençait à désespérer de retrouver le cadavre, il offrit ses services, sûr de lui. Il avait passé toute sa vie à Farns Landing, mais ce n'était pas pour rien, car il connaissait un secret qui semblait avoir échappé à tous les autres habitants. Il existait, dans tout le réseau des ruisseaux et des rivières, un courant sous-marin qui, tôt ou tard, entraînait tout objet de poids vers Blackwell March, sur la côte sud. Cette région recevait rarement un promeneur, même rarement les autorités chargées de retrouver le corps d'un noyé. Ces herbes marines, qui s'embrouillaient comme des cheveux, ces sombres sirpes, qui se penchaient soudainement dans le vent, son incessant cœur de grenouille présentait quelque chose de tellement déprimant que personne ne se risquait dans ces parages. La première fois que Atworth dut retrouver un cadavre impossible à localiser, il agit de manière un rien trop impulsive. Il avait ramé jusqu'à Crane Island, où il avait attendu la tombée de la nuit, puis s'était dirigé tout droit vers Blackwell March, où, en moins d'une heure, aidé d'une puissante lampe électrique, il avait découvert le corps du jeune garçon de 12 ans, disparu quelques jours plus tôt, alors qu'il nageait en eau profonde avec des camarades.
Atworth avait débarrassé le corps des morceaux de roseaux et d'herbes aquatiques par trop révélateurs, puis était retourné au village où il avait réclamé les $100 promis pour la découverte du gars. Il y eut des commentaires, des remarques sous le manteau. On prétendait que, cette fois, le diable devait avoir aidé Martin. Mais il comprit que ses critiques étaient minoritaires. Quand une jeune femme se noya, un peu plus tard, il s'occupa davantage de la mise en scène. Il se vêtit tout de noir et exigea que les abords immédiats du lac fussent dégagés une heure après qu'il eut commencé ses activités. Un peu plus tôt, dans l'après-midi, il avait posé, à la surface de l'eau, 6 miches de pain à l'intérieur desquelles il avait coulé une goutte de mercure. Ces miches, avait-il expliqué, convergeraient vers l'endroit où attendait le corps. Puis, après avoir accroché une lanterne rouge à la proue d'un bac et recouvert l'étolet d'étoffe noire, il s'avança sur l'eau sombre. Il poursuivit de la sorte pour chaque cas de noyade. La noyade, justement, commençait à atteindre un pourcentage alarmant, ce dont Atworth, qui avait pris la précaution d'augmenter ses tarifs, profitait joliment. Il se surprit à observer, chaque matin, le ciel du côté de l'ouest et d'espérer un orage dans la journée. Lorsque son espoir s'avérait fondé, il commençait alors à compter les bateaux de pêche visibles sur la baie. L'argent qu'il gagnait par ses activités paraprofessionnelles le remplissait d'aise. Ne le voyait-il pas s'accumuler, lentement mais sûrement? Et pourtant, les problèmes financiers commencèrent à jouer dans sa vie un rôle des moins agréables. Sans trêve, en effet, son adorable épouse déplorait l'état délabré de la maison, l'ancienneté de ses robes et la modicité des nourritures qui garnissaient la table quotidienne. « J'ai retrouvé la viande d'Altmore aujourd'hui, tu sais, cette bonne femme qui s'est noyée voilà 3 jours, » lui dit un jour Atworth, sans la moindre émotion, en s'asseyant pour le repas du soir. « Ça m'a pris 4 heures. » Martha Atworth n'arrêta pas de se brosser une mèche de cheveux gris qui lui pendait devant les yeux, et répondit par cette seule question. « Combien ?»« $200. »« $200, » répondit le mari, de toute évidence assez peu à l'aise. « Enfin, voilà qui paiera les impôts et la facture de mon dentiste. Pas la peine de demander l'impossible. » Ces incessants sarcasmes concernant l'argent n'auraient point irrité Atworth s'il n'avait su que sa femme possédait une fortune personnelle. Son père, un bijoutier récemment décédé, lui avait légué une belle somme, quelques obligations et une merveilleuse montre, une pièce unique. 12 diamants de belle taille scintillaient pour indiquer les heures, et les aiguilles s'articulait autour d'une merveilleuse émeraude. Atworth l'avait convoité dès la première seconde où il l'avait vue. Mais Madame Martha défendait des idées personnelles concernant la communauté des biens. « Cet héritage m'appartient, et tu n'as rien à voir là-dedans. Tu dois subvenir à mes besoins, c'est ton devoir d'époux. Le reste, ne t'en occupe pas. » Au demeurant, comme pour illustrer ses principes abstraits, elle avait toujours caché à son mari le montant exact de ce qu'elle avait hérité. La montre, bien entendu, elle ne pouvait cacher qu'elle la détenait et elle l'arborait ouvertement, de toute évidence, dans le but de faire crever son mari de jalousie. Chaque soir, avant de dormir, elle décrochait avec le plus grand soin la montre de la chaîne qui lui entourait le cou, la remontait lentement et l'essuyait avec un chiffon doux. Ensuite, elle ouvrait le boîtier lui-même et, aidée d'un mince tournevis,
se livrait à une délicate opération, visiblement fidèle aux ordres que lui avait laissés son père. Enfin, elle appuyait sur un bouton pour faire résonner les mignonnes petites clochettes qui annonçaient les heures et les minutes après les heures. Alors, elle rattachait la montre à la chaîne qu'elle gardait toujours autour du cou, afin de bien souligner son total manque de confiance vis-à-vis de son époux. En une occasion, et une seule, Atworth avait pu s'approcher suffisamment pour distinguer la montre. Gravée avec une certaine lourdeur, elle donnait 6 indications. Les heures, les minutes, les secondes et, dans de petits carrés, le jour de la semaine, le mois, l'année en cours. Le cadran lui-même était une mosaïque inextricable de gravures diverses. En haut, à droite, par exemple, se détachait un petit crâne humain, et, en bas, une inscription en latin. Du moins, prenait-il ses caractères pour du latin, mais en trop petites lettres pour être lisible sans instrument. Les aiguilles elles-mêmes étaient de couleur chair et travaillaient de façon à ressembler à des mains féminines. Mais c'était surtout les joyaux qui attiraient Atworth. Il s'était juré de les posséder un jour, d'une manière ou d'une autre. L'été passa, et d'autres problèmes retinrent son attention. Depuis le 1er septembre, Farns Landing n'avait pas compté moins de 7 noyades, à l'issue desquelles c'était toujours Atworth qui avait retrouvé les corps. Le 2 septembre, la ville était encore une fois en émoi. La jeune Cynthia Dobson, 16 ans, était partie, seule, pour une promenade en barque, et n'était pas rentrée. Une équipe de secours s'organisa et passa les cours d'eau au peigne fin, à bord d'une puissante chaloupe. On retrouva la barque, retournée, non loin de Crane Island, mais aucune trace de la jeune fille. Atworth était assis sur le quai et fumait tranquillement sa pipe quand l'équipe de secours rentra. « On dirait qu'il y a de nouveau du travail pour vous !» lui lança Jeb Howatt en secouant la tête. « Ce satané lac est le domaine du diable, si vous voulez mon avis !» 3 heures après avoir commencé son habituelle mise en scène, Atworth rentra dans sa barque, avec quelque chose de silencieux, recouvert d'une petite toile. Mais il revenait aussi avec autre chose, avec un grand projet. Toute la nuit, il tourna et retourna ce plan dans son crâne et, le matin, tout était parfaitement au point dans son esprit. Il accomplit machinalement et sans conscience professionnelle son travail au moulin ce jour-là, comptant les minutes qui le séparaient encore de son retour chez lui. Quand enfin l'heure fut venue, il glissa une pince sous son bras et se dirigea tout droit vers East Road. À un quart de mille de la ville, il bifurqua dans une route transversale qui menait à sa demeure à travers un bosquet de jeunes peupliers. Un peu plus tard, il franchit le pont de bois qui enjambait le Talbury Creek au cours profond. C'est là qu'il commença à mettre son projet à exécution.
Il détacha trois planches au centre du pont, en brisa les extrémités pourries et les replaça de telle sorte qu'elles se redressent et glissent dès qu'un poids se poserait sur l'autre moitié. Ensuite, il étala soigneusement de la boue sur les poutres de façon à effacer toute trace de son travail. Rentré chez lui, il s'adressa à sa femme. « As-tu vu la vieille Mrs. Bentley ces derniers temps ? Jeb Watt m'a dit qu'elle te réclamait. Elle va assez mal. » L'épouse mordit à l'hameçon. Une heure plus tard, elle remplit une bouteille avec du bouillon de poule, enfila son manteau et prit son chapeau. « Tu ferais mieux de prendre le raccourci par Talbury Creek, » lui conseilla son mari, alors qu'elle s'approchait de la porte. « À moins que tu n'aies peur du noir, bien entendu. » La moue méprisante de Martha prouva qu'une fois encore, le mari avait fait mouche. Atworth attendit jusqu'à ce que les pas de sa chère épouse fussent devenus inaudibles. Puis, il se précipita hors de la maison et, coupant court à travers les champs, se réfugia chez ses plus proches voisins, les Ploumettes. Pendant qu'il s'avançait dans l'obscurité, il imaginait ce qui allait se passer. Martha, passant sur le pont saboté, allait faire tomber les trois poutres et se retrouver au milieu du torrent. Comme elle ne pourrait nager, elle allait être propulsée dans un des bras du Cannon Lake, d'où le courant souterrain allait la transporter, en fin de compte, à Blackwell March. Il était 18h30. Martha atteindrait le pont dans un quart d'heure. Dès qu'elle entrerait en contact avec l'eau, la montre qu'elle portait au cou s'arrêterait et indiquerait, preuve irréfutable, l'heure de sa mort. Rien ne pouvait faire converger les soupçons vers lui, bien entendu, mais au cas où un détail ne concorderait pas, il préférait disposer d'un alibi à toute épreuve. La montre, en effet, indiquerait toutes les circonstances chronologiques de la mort, heure, minute, jour de la semaine. Et à ce moment précis, justement, lui, le mari modèle, le mari que le sort frappait injustement, serait en train de bavarder, insoucieux, avec les Ploumettes. Tout se déroula comme l'époux prévoyant l'avait attendu. Il se retrouva au centre de la foule morbide qui observait l'enquête auprès du pont effondré. Il retint son souffle lorsque le commissaire Edmonds examina les poutres effondrées. Mais Edmonds se contenta de soupirer et d'affirmer « Elle est tombée par ici. Elle doit avoir été emportée par le courant vers le lac. » « Je suis désolé, Martine, mais c'est tout ce que je puis dire. » Cela se passa mardi. Ce ne fut pourtant pas avant mercredi soir que Atworth commença à remarquer le tic-tac. Le son s'imposa petit à petit à son esprit, et il n'en prit d'ailleurs pleinement conscience qu'une fois sur le point d'aller au lit. C'était une pulsation lointaine, sourde, qu'il prit d'abord pour les battements de son propre cœur.
Il s'assit sur le bord de son lit, silencieux, et écouta. Il n'entendit plus rien, et, un moment plus tard, alla éteindre la lumière. Le lendemain, il passa la maison au peigne fin pour découvrir l'héritage de sa femme. Il devait se trouver en ces lieux, car Martha n'avait jamais eu le temps matériel de déposer ses biens à la banque. Au bout de 2 heures, pourtant, il se retrouva bredouille dans la chambre à coucher. Il avait fouillé toute la maison, de la cave au grenier, sans découvrir la plus petite trace d'argent ni d'action. Pour la première fois, son don si particulier pour retrouver les objets paraissait vain. Il jura pour se soulager. Puis, soudain, une pensée s'imposa à lui. Voici quelques nuits, alors que Martha venait de détacher la montre de sa chaîne, elle avait ouvert l'engin et effacé, à coups de lime à ongles, une inscription sur l'or tendre du boîtier. Il connaissait la mauvaise mémoire de sa femme qui avait pour habitude d'écrire toutes sortes de notes sur les plus impensables supports. Rien n'était sûr, bien entendu, mais il y avait gros à parier qu'elle avait indiqué la localisation de ses biens sur le boîtier de la montre. Il revint au living room, s'empara d'un magazine et commença à lire. Subitement, il entendit le battement, à nouveau. Il resta là, assis, attentif. Le son avait quelque chose de creux, de sonore, comme si la montre, car de toute évidence il s'agissait d'une montre, avait été fourrée dans un énorme réceptacle creux. Les mains de Atworth tremblaient doucement quand il se versa un verre de liqueur de pêche avant d'aller au lit. Cette nuit, il rêva. Il gravissait la paroi abrupte d'une colline de granit, cherchant avec peine quelques trous pour enfoncer l'extrémité de ses orteils. Au-dessus de lui, une immense montre accrochée à une chaîne gigantesque. La corde, le long de laquelle il grimpait, était munie d'un nœud trop lâche qui le retenait à l'aiguille des heures. Cette aiguille, il pouvait la voir clairement, bien horizontale, sur le quart de l'heure. Pendant qu'il la regardait, elle commença bien entendu à descendre lentement et, à mesure qu'elle descendait, le nœud trop coulant glissait vers son extrémité. Il baissa les yeux, désespéré. Il dominait une mer. Elle paraissait le regarder, de bas en haut, comme des milliers d'yeux aveugles. Et voilà qu'en haut, la montre géante allait indiquer la demi, et que le câble glissait de plus en plus, jusqu'à se libérer. Atworth s'éveilla, baigné de sueur. Il tremblait de tous ses membres. Aussi fantastique qu'il paraissait, le rêve avait un terrible aspect de réalité.
Il était tellement réel qu'il avait même l'impression, à présent, dans le silence de sa chambre, d'entendre le carillon de la montre. Mais il l'entendait. Il resta au lit, raide, immobile, oreille tendue dans l'espoir de réentendre ce qu'il lui avait semblé percevoir. Et quand le son déchira à nouveau le silence, 10 petits sons, puis un silence, puis 2 petits coups encore. Atworth jaillit de son lit, galopa à travers la pièce et donna de la lumière. Il ne vit rien d'inhabituel, rien d'inquiétant. Le matin, il était en mauvaise forme. Il accusa la liqueur de pêche d'être à l'origine de cette mauvaise nuit et maudit ce qui, à la lumière du jour, ne pouvait apparaître que comme le jeu d'une imagination surexcitée. Ensuite, constatant que ses provisions diminuaient, il descendit en ville, prenant délibérément le raccourci qui le menait par le pont au-dessus de Talbury Creek. La route était déserte, comme toujours, depuis le percement de l'autoroute un quart de mille plus à l'ouest. Atworth s'engagea sur le pont et s'arrêta près du parapet qui protégeait de l'eau sombre et menaçante. Soudain, il se crispa. Quelqu'un approchait. Eh bien, il n'avait qu'à rester le mari inconsolable, plongé dans ses regrets. Il ne bougea pas. Les pas résonnèrent au moment où ils s'approchèrent du pont. Ils avaient d'ailleurs un son étrangement familier. Et puis, soudain, un craquement, un déchirement de bois, un petit cri. Atworth se retourna brusquement. Il regarda le pont rongé par le soleil, ne parvenant pas à en croire ses sens. Personne en vue. Les planches du pont étaient fermes, solides, soigneusement reclouées comme l'avait fait le commissaire la veille. Et, quelques mètres plus bas, les eaux brunes de Talbury Creek glissaient, placides, sans qu'une ride vînt troubler leur surface. Quand Atworth rentra avec ses provisions, il jeta un coup d'œil sur sa montre, comme il en avait l'habitude, afin de compter combien de temps il avait perdu à ses achats. Elle s'était arrêtée à 6h45, bien qu'il fût certain de l'avoir remontée hier soir. Il entra dans le living et regarda la vieille horloge du grand-père dans le coin. Le balancier était immobile et les aiguilles étaient arrêtées sur 6h45. Un certain malaise commença à s'emparer de Atworth. Il resta là, un moment, à se mordiller la lèvre supérieure. Puis il se précipita dans la chambre à coucher. Le réveil matin qu'il avait offert à Martha pour Noël lui donnerait l'heure exacte, et il ne s'arrêtait jamais. Mais l'aiguille des secondes, immobile, vint briser son espoir. Le réveil électrique était, lui aussi, arrêté. Avec une horreur insoutenable, Atworth lut ce que les aiguilles lui indiquaient. 6h45. Il perdit alors toute maîtrise de soi. D'un pas tremblant, il se dirigea vers le hall où pendait le téléphone. Il appela le bijoutier Seth Denning. « Pourriez-vous passer chez moi ?» lui demanda-t-il. « Je voudrais vous montrer quelque chose. » Attendant l'arrivée de Denning, Atworth resta affalé dans un fauteuil,
regardant devant lui sans rien voir. Finalement, le bijoutier arriva. Un petit homme sec, à qui un pince-nez donnait une allure encore plus autoritaire. Il était d'une humeur mauvaise, car il n'aimait guère qu'on le forçât à quitter sa boutique. Sans un mot, Atworth l'entraîna d'une montre à l'autre, puis prononça d'une voix enrouée. Toutes. Elles se sont toutes arrêtées sur 6h45. Je veux savoir ce qui ne va pas. Denning lui lança un regard peu amène. C'est vous qui n'allez pas, Martin. Mais je suppose que je vais devoir toutes les ouvrir pour vous satisfaire. Il travailla plus d'une heure, ouvrant les boîtiers pour observer les mouvements, tripotant quelques rouages de ci, de là, réparant ce qu'il lui semblait devoir être réparé. « Voilà, c'est en ordre, » déclara-t-il enfin. « Si j'étais vous, je ferais nettoyer l'horloge du grand-père un de ces jours. Elle en a bien besoin. » Atworth hocha la tête, puis posa la question qui l'obsédait. « Denning, combien de temps peut fonctionner une montre après avoir été remontée ?» Le bijoutier réfléchit un moment. Cela dépend évidemment de la montre, entre 15 et 20 heures. Et croyez-vous qu'il serait possible qu'une montre s'arrête et reparte spontanément, si on la secouait par exemple ? Denning haussa les épaules. Je suppose que oui. Une vibration trop intense peut l'arrêter, et une secousse la mettre en marche. « Eh bien, bonsoir, Martin, et n'oubliez pas de faire nettoyer l'horloge du grand-père. » Plus tard, au cours de l'après-midi, Atworth flâna jusqu'à la rive du lac. Là, il rencontra Jeb Howatt au moment précis où il se préparait, une fois encore, à explorer les environs. « Je vais essayer une fois encore, » expliqua Howatt. Si je ne la découvre pas, je serais obligé de faire appel à vous. Atworth ne pouvait plus supporter davantage cette situation. Sortez de ce bateau! Je dois la trouver moi-même! Vous m'entendez? Je dois! Décontenancé, Howatt revint sur la rive, pendant que l'autre prenait les rames à son tour. 3 heures plus tard, il était chez lui, faisait les 100 pas. Il avait cherché à travers tout Blackwell March, mais sans rien découvrir. Or, tout son plan reposait sur la découverte du cadavre. Sans celui-ci, sans cette preuve de son innocence, les rumeurs allaient se multiplier contre lui, ces rumeurs qui déjà circulaient. Et puis, pas de cadavre, pas de montre, et Atworth était de plus en plus persuadé que la montre détenait le secret de l'héritage.
Cela se produisit au moment où il ouvrait le lit. Du coin de l'œil, il crut discerner un mouvement sur la coiffeuse. Il se retourna, hésitant. Bien en évidence, sur le revêtement d'ébène, il reconnut l'empreinte humide d'une main de femme. Atworth observa la pellicule d'humidité qui se rétrécissait et disparaissait petit à petit pour céder la place à une seconde vision, toujours au même endroit. Il aurait juré qu'une personne aveugle se tenait devant le meuble, tâtonnant, pour trouver quelque chose qu'elle ne découvrait pas. Ensuite, Atworth vit un troisième élément qui se matérialisait vers le centre du meuble. La boîte à bijoux de Martha. Cette boîte recouverte de satin qu'il connaissait bien. Le sommet du coffre bourrelé était déformé, comme si un objet rond, trop grand pour lui, y avait été enfermé. Et soudain, cette particularité disparut. Le couvercle redevint ce qu'il était avant d'avoir été déformé. Atworth sentit un courant d'air glacé passer à travers la pièce et filer par la porte. Ensuite, plus rien. Il n'entendit plus ces tintements qui l'avaient incommodé la veille et passa une nuit de sommeil épais, comme en passent ceux dont les nerfs sont arrivés à bout de résistance. Le lendemain, Atworth entreprit de nouvelles recherches, plus systématiques cette fois, en vue de retrouver l'héritage de son épouse. Il ne négligea aucune cachette possible, explora tous les meubles. Il fouilla, à longs coups d'aiguille, les coussins des divans. Il détacha les chevilles des meubles et sépara les sections de toutes les tables. Il veilla que les tiroirs du bureau n'eussent pas de double fond. Il vida des vases, tâta des dos de toile, examina même, millimètre par millimètre, le coffre dans lequel Martha conservait son argenterie. Il ne trouva rien. À 21h, il se dirigea vers la berge du lac. Il avait emporté 3 miches de pain fourrées, comme d'habitude, 2 gouttes de mercure. Une semaine plus tôt, Atworth lui-même avait jugé cette mise en scène avec un sourire de mépris qu'il n'aurait bien entendu montrer à personne. Ce soir, il n'était plus certain de rien. Les racontars de vieilles femmes prétendaient qu'il s'agissait là de la méthode infaillible pour retrouver un corps noyé. Et quand il réfléchissait à ce qui s'était déroulé depuis ces dernières 48 heures, il n'avait plus tellement envie de se moquer des superstitions. Il atteignit son Doris sans rencontrer personne, dénoua la mare et poussa l'embarcation sur les flots noirs du lac. Les tollets avaient été récemment graissés et aucun son ne venait troubler le léger plongeon des rames ni le glissement des vagues contre la proue. Atworth ramait vigoureusement, observant les lueurs du village qui s'éloignaient de plus en plus. Soudain, un plongeon l'effraya, qui volait bas dans le ciel et s'enfuit à tire-d'aile avec un rire aigu. Il survola à toute allure Crane Island, sombre présage dans le soir sombre, puis fila tout droit vers Blackwell March. Lorsque Mazettes et roseaux commencèrent à bruire contre la coque, il alluma la torche électrique et fouilla l'obscurité, en particulier la surface de l'eau.
Il étudia le moindre centimètre carré, s'enfonçant au plus profond du marécage. Il ne découvrit rien. Aucun visage familier qui, pâle, le guigna. Aucune sombre silhouette qui apparut dans le rayon de la lampe. Il ramait à l'extrémité sud du marécage lorsqu'il entendit, soudain, le tic-tac. Le son était d'abord éloigné, comme si une montre avait été accrochée au-dessus de lui, haute, dans l'air. Ensuite, à mesure qu'il prêtait l'oreille, il eut l'impression qu'elle se trouvait en dessous de lui, sous la sombre surface de l'eau. Et puis, il la vit, et une onde de terreur l'envahit. À quelques 30 centimètres de la surface assombrie, luisante d'un éclat de spectre, il vit la montre. Il pouvait la distinguer dans tous ses détails. Les aiguilles indiquaient 6h45. Mais il y avait autre chose. Quelque chose qui attirait le regard de Atworth comme un aimant de la limaille. Une main de femme étreignait la montre. Les doigts caressaient le boîtier. Ils effleurèrent le remontoir et commencèrent à le tourner. Même dans l'épaisseur de l'eau, Atworth pouvait distinguer le mouvement précis des doigts. Avec un terrible cri d'épouvante, il tira de toutes ses forces sur les rames. L'embarcation glissa de quelques dizaines de mètres, puis s'arrêta. De nouveau, le tic-tac découpa le silence du marais. De nouveau, il vit la montre et la main dans un cercle de lumière sous le plat-bord. Désespéré, Atworth arracha la rame du tollet et en frappa la surface de l'eau. Le choc ressembla à la détonation d'un pistolet. Montre et main disparurent dans le cercle de vaguelettes pour réapparaître plus proche de l'embarcation, une fois l'eau calmée. Alors, Atworth laissa toute son épouvante le submerger. Une fois encore, il leva la rame, mais quand il frappa, il perdit l'équilibre et plongea, tête première, dans le lac. Il fouetta l'eau avec l'énergie du désespoir, mais en dépit de ses forces, il s'enfonça. Il sentit une main entourer sa gorge et l'entraîner irrésistiblement. Marc Brash, l'entrepreneur de pompes funèbres, irradia quand il entendit que le double enterrement était l'un des plus beaux que la région eût connu de longue date. Pourtant, certains détails le rendaient toujours perplexe et assombrissaient sa joie. Brash appartenait au groupe qui avait retrouvé les corps de Martin Atworth et de sa femme Martha à petite profondeur près de la limite de Blackwell Marsh. Le corps de la femme était encore bien conservé, compte tenu de son séjour pendant plusieurs jours dans l'élément liquide. Ensuite, Brash croyait s'être trompé en regardant la main droite de la victime. Après tout, il s'agissait seulement d'un premier regard, et la lueur incertaine que dispensait une seule lanterne au kérosène pouvait tromper la vue. En outre, il n'était pas encore habitué à ses nouvelles lunettes à double foyer. Il aurait pourtant juré que cette main vivait encore quand elle était sortie de l'eau, que les doigts s'étaient ouverts et refermés convulsivement.
des observations ultérieures, entre autres sur la table d'embaumement, détruisirent cette hypothèse. Et puis, il restait le mystère centré sur la montre, cette montre dont Martha était si fière. Elle se trouvait fixée à une chaîne que Martha portait toujours autour du cou. Elle indiquait 00:05 quand Brash eut retiré le cadavre de l'eau. Le lendemain, pourtant, quand il voulut ajouter la montre aux autres biens des Atworth, il remarqua que les aiguilles avaient bougé et qu'elles avaient avancé d'un peu plus de 6 heures, phénomène pourtant impensable après la longue immersion de la montre dans l'eau. Et pourtant, c'était ainsi. Les aiguilles indiquaient, à présent, à tout jamais, 6h45. Vous venez d'entendre La Montre, une nouvelle de Carl Jacobi, tirée du livre Les Écarlates, qui comprend notamment d'autres nouvelles du même auteur, aux éditions Librairie des Champs-Élysées. Les musiques qui accompagnaient cette nouvelle étaient de Pierre Henry et Christophe Penderecki. Pas de démons et merveilles la semaine prochaine. Si vous voulez savoir la raison pour laquelle il n'y aura pas d'émission, eh bien pour cela, il vous suffit tout simplement d'écouter l'émission qui vient juste après moi, de 23h à 24h, c'est-à-dire la Chambre d'écho présentée par Didier et Gérard. Et vous saurez tout ce qui se passera à cette heure-ci la semaine prochaine. Je vous souhaite une très bonne fin de soirée sur l'écho des Garrigues. On se retrouve donc dans 15 jours, c'est-à-dire le 4 juillet. Bonsoir.